Rasenaruki, brace down to one coil. Des ordres en anglais, de la part d'un capitaine russe à un équipage à moitié français, bienvenue sur le Standard. À son bord, des aventuriers dans l'âme, passionnés de marine et impatients de vivre la vie de gabier. C'est hyper exigu, il faut qu'on soit hyper organisé. Alors, le rôle, c'est de faire partie de l'équipage à part entière et non d'être un passager comme une croisière, par exemple. Et c'est vraiment chouette parce qu'on va avoir l'occasion d'apprendre, et ça, en plus, dans une autre langue, avec un équipage étranger. À la différence de l'Hermione, le Standard a ouvert ses réservations il y a quelques jours. Les volontaires ont rapidement pris leur place, ravis de penser à autre chose en cette période de déconfinement et de gestes barrières. Côté passionnel m'a fait passer au-delà de cette appréhension. J'ai vu ça il y a à peine 8 jours de ça sur un site. Et comme c'était proche de moi, et j'avais la possibilité et en temps, et voilà, donc je me suis aventuré à venir. En temps normal, le Standard assure une grande partie de ses finances grâce au Festival Maritime. Mais cet été, les annulations s'enchaînent, laissant un trou de près de 150 000 euros. Au final, 5 festivals français ont été annulés. 2 en Espagne, mais aussi à Amsterdam. Pour nous, c'est un véritable drame, une situation très difficile. À défaut d'être vus par le grand public, les apprentis gabiers européens peuvent réserver leur place. Des séjours sont prévus tout l'été.